Et bonjour à YouTube, c'était Camon, on se retrouve sur OutSpark, un jeu d'automatisation de bûches de Sparks. Et sur Twitch, re à tous ceux qui sont encore avec moi, peut-être Soren, je crois qu'elle a dit bonne nuit, Kalik en tout cas, sûrement. Et merci à vous d'être avec moi pour le live. On va charger, on l'a Nelsonia, c'est bon. J'aurais pu faire continuer la partie, je voulais vérifier la save. Et c'est mignon, c'est vraiment tranquille. Pourquoi ce bruit? Alors, est-ce qu'on se refait des sparks? Oui, il m'en manque de bois. Est-ce qu'on peut mettre plus? Non, on peut pas mettre plus. Nous sommes remontés à 7, on va attendre un tout petit peu qu'ils en refassent. Le livre des quêtes, pendant ce temps. Alors, pour le Tortue Génial, il nous manque encore 100 bûches. Pour l'extension de visage, il faut 180 bûches, 40 poutres. On ne sait pas comment on fait les poutres. Il faudra 3 sparks souches. Ah, et par contre, transport, on pourrait donner. 10 bûches, 5 pierres, 2 souches. On va commencer par la logistique du transport. Ok. Avec l'intendante. Et puis le forestier. Ça me plaît bien. On est monté à combien? On est à 10, petit bonhomme. Eh ben, écoutez, on va reprendre un peu de bois. Et puis c'est dans le plaisir. Du coup. Alors, on distribue les rôles. Et ça remonte bien. C'est bon? C'est bon? On peut les envoyer de loin en plus. Vous l'aurez pas vu, je suis une belle schtroumpfette. On aime ça. Allez. Est-ce qu'il y a que des feuilles? Et ouh, Zéphir Noir, merci à toi d'être là. Merci pour ton follow. Et si tu veux voir les autres épisodes, si tu loupes, on démarre ce soir. De toute façon, tout sera remis en VOD sur ma chaîne YouTube. C'est mon nom, Técamon. Achèvement, toujours plus haut débloqué. On l'a déjà fait pourtant, je croyais celui-là. Il y a des papillons. Voilà. Et si c'est bon, je suis là. Allez, venez, petit copain. On va aller un peu dans la forêt. On a des cailloux. Ouais, on va remonter quelques bûches quand même. On n'arrive pas encore à couper les gros. Voilà, les petits copains, vous avez bossé un petit peu. Allez, il faut que ça bosse. Il en reste, il en reste, il en reste. Vous pouvez y arriver. J'aurais aimé zoomer plus. J'avoue, ça pourrait être super sympa de zoomer. De là-bas. S'il m'oublie des bûches, hop, hop. C'est bien, ça monte plus vite là. Tiens, regarde. Hop. Non, on l'a déjà fait celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est combien il en reste d'actifs pendant que les autres coupent. Ouais, j'ai le compteur. J'ai le compteur, je suis à zéro. C'est ça. Finalement, c'est pas si négatif que ça, ça le fait. Voilà, 2 équipes de 5. C'est bon? Jusqu'à minuit au moins les gens, c'est pas possible. Il est trop mignon ce jeu.
On va les laisser casser. Tiens, il y en a un autre là-bas, un petit sapin. On n'a pas encore rempli la centaine de bûches. Hein. Allez, Spark. On en est loin. Il faudrait quelque chose de plus facile. Là, trop... Ah, il y a plein de petits sapins là-bas. Des bouleaux, tiens. Est-ce qu'ils peuvent? Non. Revenez avec moi. Ah, c'est triste, c'est triste. Merci. Qu'est-ce que c'est que la machine de rang 1? Attends, pour essayer de reconnaître débloquer la fonctionnalité, machine de rang 1, on l'a pas fait encore. Je pense que c'est les quêtes du village, hein, c'est ça. On en était là. Attends, je prends un peu dans la carte. Hein. Et là, c'est quoi ça? Un arbre géant. Oh. La cache secrète, on peut pas l'ouvrir. Oh, on dirait un robot géant. Dépouille de Scarafan. Ah oui! Alors ça? Amas d'éther, carapace de Scarafan. Oh! Moi, je suis avec ma bande, hein. Oh, il y a l'air d'avoir un sacré biome. Spark, Spark éclaireur, d'accord. Spark à cailloux, rocher géant. On va pas aller trop loin. On va pas aller trop loin, on va revenir. On a fait tout ça déjà. Le village nous attend de l'autre côté. Plein de belles... Oh, qu'est-ce que c'est que c'était bait? Un tout calmar. D'accord. Écoute, on va déboiser un petit peu ici. Merci. On monte à combien? 2, 3, 4, 5, on a 100. D'accord, il récupère les cadavres. On est bon. Elles sont rapides, ces petites bûches. Bon, je pense qu'on va aller valider ces premières quêtes. On a trop envie de savoir. Il faut des nouvelles machines pour couper les plus gros arbres. Ça ira plus vite. On est d'accord. Toum, toum, toum. Pas de chemin, on va pas assez vite. Où est la machine? Ah, t'es si loin que ça. Alors, au prochain épisode, on pensera à regarder l'interface du perso, si on peut le changer, justement. Ok. On en a récupéré 4. On va les laisser en refaire d'autres. Je suis à 10 au maximum. Ah, je peux pas en mettre plus. D'accord. Bon, à la limite, si je peux en avoir un cinquième... Voilà. Parce qu'on doit en offrir 5. On garde nos tribus de 10, hein. C'est cool. C'est reparti. Alors, l'intendante. Salut. 3 Spark souches. C'est fait. On a débloqué du coup le chemin de terre normalement.
Ah, je pensais qu'on les aurait vus en animation à côté. Elle marche uniquement du côté droit du chemin. Bref, laisse-moi te montrer comment construire un chemin de terre. Outil chemin, ça touche G. Tu permets de créer de nouveaux chemins et de supprimer ceux qui existent déjà. Ok. Quand tu l'utilises, tu ne peux pas interagir avec les constructions. Un chemin ne peut occuper qu'une seule case. Et au minimum 2 cases de long. Avec l'outil bizarre là, en angle droit, outil chemin, tu peux supprimer les cases de chemin. Allez, d'accord, en appuyant simplement sur la touche de droite, tu peux supprimer toute une zone en faisant glisser le curseur en maintenant la touche droite. Le coût des éléments supprimés est remboursé, donc c'est pas punitif comme jeu. Quand tu disposes de plusieurs types de chemins, tu peux passer de l'un à l'autre dans l'outil chemin. Ok, en changeant simplement, ok. Mais c'est bien! Merci. Ah, elle nous demande une nouvelle quête du coup. On bloquera du coup le tonneau et la cabane. Objectif. Construis une fendeuse. Relie la fendeuse à l'hôtel à Spark Souche. Lance un Spark Souche sur le chemin. Transporte des bûches, fabrique un Spark Souche. Oui, bah écoute, oui. On va voir, hein. J'ai pas dit que j'étais intelligent. Bon, alors ça, c'est pour changer de type de Spark. On a que les Sparks à bois pour l'instant. Notre ami le forestier. Alors, il veut du bois. On en laisse la moitié. Tu veux 5 pierres. Tu veux 2 Sparks souches. Ah, oh, mes petits enfants. Alors, avec lui, on va faire justement la fendeuse et récolte de bûches. Carapace de scarafan. Termine. Il leur faut une table très basse, comme ils sont très petits. Voilà, c'est terminé. Point important, tu auras besoin d'une carapace de scarafan. Ça tombe bien, on a looté une. Pour construire la fendeuse. Ces scarapaces stabilisent les terres des arbres géants, vois-tu? Ah, tu n'as pas besoin de comprendre ce que ça veut dire. Mais crois-moi, j'ai essayé d'abattre un de ces arbres géants sans stabilisateur une fois, et ma moustache a mis 2 mois à repousser. Tu trouveras une carapace de scarafan sur la dépouille des scarafans qui traînent dans les bois. Mais pour l'instant, je vais te donner ce que j'ai en rab. Ouvre le mode construction pour sélectionner quelque chose à construire. Le mode construction garde en mémoire les 5 dernières constructions et s'ouvre sur la dernière sélectionnée. À placer sur un arbre géant. D'accord. 5 pierres, 10 bûches et 1 me somme va. Outil chemin. Attends, clic droit, oui, et barre espace. On peut faire que retour. Là, je sélectionne tout. Je crois qu'on peut pas construire le chemin parce qu'on est dans le village. C'est peut-être pour ça. Nouvelle quête du forestier, du coup. Pour faire la scierie, et donc avoir des poutres, livrer 100 bûches. 4. On n'en a pas 100, mais on en a déjà un petit paquet. 83. Bah écoute, on reviendra plus tard. Nous, on va poser notre fendeuse. Tac. Du coup, mode construct. Ah, il nous faut 10 bûches. Ah. Bon, eux, ils m'en ont fait. J'ai un petit peu de spark en rab. Ok, j'aurai des pertes. Il nous faut 10 bûches. Allez, les sparks! On va aller par là, il doit y avoir là, petit sapin. Ça va pas être long. Juste au cas où.
Merci. Merci, Little Spark. Alors, on va la faire cette fendeuse. Rotation R. Ah, on voit une sortie de tapis, regarde. Ok. Mais là, ça veut pas trop, ça gêne, là. Ok. Ok. Recette sélectionnée bûche. On a que ça comme recette. Et ben on va poser des sparks. Ah, et puis sans réactionner les haches, d'accord. Excellent. Et puis comme par hasard, j'ai une autre carapace. Innocemment. Oh, on n'a pas besoin, il y en a plus là-bas, mais on va rester ici. Oh, ça va très vite. On aurait presque envie de leur dire de refaire d'autres sparks. M'en manquait pas beaucoup pour la quête du forestier. J'aurais voulu ne pas les marquer. Pour désépingler, comment on fait? Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, ils font par slot de 20. Voilà, ça c'est un beau screen, les amis. Ok. On va les laisser bosser. On va retourner voir le village. Et nous, le village, c'est par où? C'est par là? Non, la grotte n'est pas là. On doit être juste à côté. Ah oui, elle est là. Au passage, hop, je reprends encore tellement ça va vite. Oh là 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 là. On va pas se freiner au début, hein, même s'il est long, c'est pas grave. Ah mais oui, j'aurais pu faire un truc. Ah me dis pas que c'est ça que j'aurais dû faire. Là c'est pour effacer ça. Pas clair. J'ai vu comment effacer le chemin. Là, il en prend un et il refait le tour pour l'amener. Ok. On voit qu'il n'y a que la poubelle qui est active, il n'y a pas le chemin ici. C'est vraiment ailleurs, je pense. Ok, on ne se embête pas. On va les laisser là. Dis-moi, il te manque des bûches. On va pouvoir faire la scierie. Le plus gros de la machinerie se trouve dans la construction. Ça simplifie le travail. Travail du bois, niveau 1. On a construit la fendeuse, relié la fendeuse à l'hôtel Parc à Souche. Ok, on y va. Toum, toum, toum. Du coup, on va essayer le chemin ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils amènent le bois.
revoir parce qu'il y a un truc. Touche G, t'as pas créé de nouveaux chemins. On va faire la touche G alors, on n'est pas si idiot. Voilà. Ah, attends. Ça, c'est entré et ça, c'est en sortie. Ok. Et maintenant, mets un spark. Arrête! Ah, oh, excellent. Ah. Oh. Ok. Et du coup, pour ouvrir... Impossible de s'éteindre la connexion pour organiser et bloquer la fonction des repères de rang 0. Donc tout ça, on a fait. Fabrique Spark Souche 10 comme ça. Est-ce qu'on enlève le repère? 5. Je suis assez curieux. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Oui, c'est eux. Non, mais là, il n'y a rien, là. Ok, on est un peu plus à l'aise. Ok. Plus que 3. On y va, cool. Je pense pas qu'on puisse faire des structures de dingue après, mais ce sera marrant de vous automatiser. C'est quand ils veulent, les Sparks, c'est quand ils veulent. Allez, plus que 1. Attends, je vais avec ma tête de tribu. Valider la quête en allant voir l'intendante. Ok, on y retourne. La grotte. Toum, 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 toum. Allez, Sparkies! Donc on valide ça. Elle valide. J'ai réussi à faire une chaîne de production. J'ai créé des constructions de stockage pour toi et tes Sparks. Le tonneau et la cabane, ok. Ça me va. La poutre dans la scierie, ok. Ça, ok. Eh ben, je pense qu'on va faire ça et on va préparer les 40 poutres qu'il faut pour la mairesse. Très bien. On veut une raffinerie, enfin une scierie. Imaginons qu'on la mette là. Ah, ils prennent toujours le chemin de droite. Ah oui. On va en mettre quelques-uns. Hein. Ouais, et aucun va aller du coup. Mince. Est-ce qu'il y a moyen de dégruger? Non, ils vont tous à droite. Il n'y a pas de répartiteur. Pas encore. C'est pas grave. Et là, on va mettre des Sparkies. Voilà, merci. Comment ça, outils? Poste de travail et la logique de stockage.
Alors, je sais ce qu'on va faire. Voilà, on va dire à 3 Spark d'emmener ça. Alors pour effacer, maintenant je ne sais plus. Voilà. Donc là, on n'a plus rien, c'est pas grave. Hop, on récupère nos petits sparks. On va y remettre du bois. Voilà. Il va nous falloir 80 bûches. Et après, les arbres géants, c'est là-bas. On va peut-être s'installer plus loin après. Ça pourrait être idéal, hein. On n'est pas au bon endroit. C'est juste que l'hôtel est ici, quoi. Ah, ça va, on a le temps. J'ai l'impression qu'il y en a un de trop. Un seul suffirait. Comment on peut les récupérer? Sachant que j'en ai déjà tous à me suivre, on va les laisser tranquilles. Et là, on a une sortie. Bon, bah écoute, on va aussi refaire un tonneau. Quoique, attends. La cabane. On a 19 poutres. Paf. Attends, je la sélectionne. Touche R. Ouais. Ah, c'est... D'accord. Et clic droit, éditeur de personnages. On peut voir si on a débloqué des choses. Non. Si, on a débloqué une nouvelle broche. En nœud. Un nœud papillon. On va mettre un nœud. Et un bec. On peut lui faire un bec. Oh. Ok. Tu vois? Mais oui, t'as vraiment un bec. si on veut le déconstruire. Ah, c'est malin. Est-ce qu'ils peuvent taper? Non. Cabane trier. Ah, ça, je ne sais pas. Est-ce que Kali, tu sais comment on peut bouger cette cabane? C'est une erreur de ma part. Bon, B pour construire, R pour pivoter, placer. Avec l'outil T, voilà, tu peux déplacer, faire buter et supprimer des constructions existantes. C'est ça, c'était en fait. Alors, on va essayer. Eh oui, ça marche. Ok. Attends, la grotte, elle est là. On va cesser la cabane ici. Voilà, tranquille. Pigé. On va laisser les feuilles, on va laisser l'amas des terres, ça on n'en a pas besoin encore. Alors des poutres, on en a 29.
Il nous en faut 40. C'est parfait. Et puis les Sparks, du coup... On va faire un autre coffre. Voilà. Puis on va dire à un petit copain... Tu vas nous les ranger. Et voilà. Hop, c'est sympa. Et voilà, c'est parti. Comment on est? On est bien. 80 bûches. Alors, 20, 40, 60, 70. Ça va aller vite. Du coup, ici, par contre, on va supprimer... Ah si, ça arrive des fois. En excédent, ça vient. Donc, en fait, si j'en mets plus... On va avoir un excédent de bois. Ils n'ont pas le temps de tout charger. Des fois, ça passe. Là, ça passe. Donc, le chemin est viable. Il faut saturer, d'accord. Hop. J'ai tout piqué. Hein. Donc, on a assez de bûches. C'est cool. Hop. On fait le tour des quêtes. Alors, on revient. Pour le village, ça va être bon. Et ici, on me demande encore... Ah, une centaine de bûches, c'est des tortues géniales. Oui, mais on va voir la mairesse. Je pense que c'est plus important. Et on va laisser bosser un petit peu. C'est bien. Donc, le déplacement calique, je te le confirme. Hein, c'est la touche T. C'est... Alors, je confondais T et G, en fait. Voilà. Là, par exemple, G. Peut être sympa. Et tout piquer. Et nous, on récupère. En plus, on récupère. Hop. Merci. Oh, c'est pas mal, ça. On peut pas copier ça. On va aller voir la mairesse. Tchoum, tchoum, tchoum. Salut, mémé. Oh. Belle enfant, biléphante. on va te laisser, du coup, 20, 40, 60, 80. C'est bon. Ah! Ah! Me manque une poutre. On va aller chercher ça et on revient. Je vais vous laisser deux secondes avec, j'ai un petit chat qui fait des bêtises, je reviens tout de suite. On va laisser bosser un petit peu. Allez, nom d'un Sparky. Il nous manquait des poutres. Oui, merci. Comment ça se passe ici? Il est bon. Oh, ça bosse bien. Tiens, on récupère. Oh, quoique, on va en laisser un petit peu. Du bois, on n'en a jamais assez. C'est même dommage que ce soit trop loin ou pas. J'aurais pu installer un truc ici. Ah, c'est pas un arbre géant juste à côté. Il y en a un et même un cache ici, cool. Parfait. Même là, il y en a un. Allez, c'est cadeau. On prend, on observe un petit peu dans le coin. Sapin. On le démontrera après s'il y a besoin. Ah, il me manque des pierres. Est-ce que vous pouvez casser un caillou? Allez, venez. Il nous manque des cailloux. Des cailloux.
J'aurais pu aller faire la poutre tout de suite, mais je suis curieux. Ok, ils sont là. Non, c'est pas des cailloux. Bah tiens, on va les farmer là-dessus. Farmer, je veux dire. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, il m'en faut les Sparky. Coin, coin. Un bec, une chouffette avec un bec. Vous l'avez déjà vu ça? Merci. C'est bon. Ça me rappelle un jeu sur une console que je n'ai jamais eu quand j'étais jeune avec... C'était pas des champignons, je sais plus ce que c'était. C'était impressionnant. Petite créature qui te suivait partout, ça reprend le même principe. J'ai complètement oublié. Et la console, c'était avant la Xbox. Ah, c'était avant 2000, hein, de toute façon. Impressionnant de mettre le nom dessus. Et c'est le jeu phare de la console, ça me faisait baver à l'époque quand je voyais ça, j'ai jamais acheté évidemment. Puisqu'on y est, hein, on va farmer un petit peu. Alors pourquoi c'est toujours le même nom d'achèvement, je ne sais pas par contre. Allez, allez, allez! On y croit! Hop, 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 hop! Merci! On n'a même pas besoin de faire ça, puisque maintenant on coupe du bois à l'infini. On est là, et en fait, ce serait peut-être même plus simple ou pas d'aller en haut? Par là. On aura besoin après. Ce que je veux, c'est des bûches d'avance de stockage. Ah ouais, mais ça va être pénible. C'est... Ah oui, non, mais c'est compliqué. Faire des chemins et tout. Est-ce que j'ai envie de m'embêter? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est fait exprès, ça. Attends. On est gêné, en fait. Ok. Voilà, on récupère tout. L'arbre, il faudra pouvoir le casser avant. On ne peut pas encore. J'ai toujours mes 10 sparks. Cool. Je peux pas sprinter. Je peux pas sauter. Mais sinon, ça baigne. Ça va? On en a encore plein. Bonne nouvelle. J'ai plein d'éclats d'éther. Ça tourne bien, hein. On a piqué un peu. On a piqué un peu, on va repiquer des poutres. Puis on va ranger la cabane. Après tout, on va se ranger des sparkies ou pas. On va ranger 40, on va ranger ça. Tiens, j'en ai un en rab, cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Et nous, on retourne voir, du coup, la mairie du village. C'est par là. Allez, Sparkies! Il me manque une poutre. Le compte est bon. On termine. Incrédule la mairesse, inventorie les différents objets qu'elle t'a demandé. Incroyable, je n'aurais jamais cru que tu parviendrais à obtenir autant en si peu de temps. Merci infiniment. N'oublie pas de te reposer de temps en temps, tu entends? J'ai toujours été fier de toi, mais c'est pas prêt de changer. Niveau 1 terminé. On peut parler maintenant à l'intermédiaire. Ah. Donc maintenant, il faudrait donner 100 bûches pour Tortue Géniale avant d'aller voir l'intermédiaire. Et la mairesse a une nouvelle quête pour nous. La mairesse veut agrandir le village et continuer de l'améliorer. Elle espère ainsi motiver de nouveaux experts à s'y installer. Elle va avoir besoin de grandes quantités. Elle veut 160 poutres, 80 panneaux de bois. Elle est gourmande. On a débloqué des quêtes là aussi. Bon, on va voir tout le monde, hein. Quitte à être fou. Oh là. J'ai une question. Est-ce qu'ils sont bons dans la défense? C'est pas un caravanier, d'accord.
des champs de spoonies. Il voudrait des spoonies. Vous pouvez en trouver dans la forêt. Woodland, dans les terres de la forêt, ouais, bon. Récompense 10 éclats des terres. Tuer 5 arapins. Hein. D'accord. C'est pas méchant, on en a déjà tué. Hein. Des quêtes de combat. Alors, on aura des créatures géantes à affronter, je crois. Hein. Notre ami le forestier. Oui, je sais faire les bûches en poudre maintenant. Il propose de faire des panneaux de bois avec la série, évidemment. Et que ça, construit des fendeuses, il en faudrait deux. Et des séries de deux. Et livrer 80 poutres, évidemment. Ok. Ça va, les bûches. On va pouvoir débloquer le panneau, la caisse, le croisement, le répartiteur. Elle met au point plusieurs outils pour ta chaîne de production, puisqu'elle a vu qu'il ne marchait que du côté droit. Ouais. Elle veut apprendre aux Sparks à se déplacer sur les chemins. Et pour ça, il faudra 20 panneaux de bois et 40 poutres. Bon. On est parti pour une bonne migraine. Est-ce qu'on peut parler aux sœurs Mason ou c'est vraiment la suite de l'histoire? Il faudra attendre de faire toutes les quêtes. Ce sera quand on sera dans les montagnes pour les Sparks en paire, je suppose. Salut. Salut les frangines. On regarde un peu le village. Par là, il y a un moulin. Passe pas. Il y a des choses. Et on ne peut pas sortir. Ok. Bon, on va vraiment faire notre deuxième fendeuse. Hein. Tout cela, on va les laisser bosser. On a vu que c'était pas facile par là-bas, mais là, il y a des arbres géants à gauche. Et du coup, on va récupérer ça. Je pense que c'est tout. Impeccable, il y a le bouton pour trier. Même dans Factorio, il n'y a pas ça, il faut un mode pour ça. Ça, c'est chouette. J'ai pas besoin des pierres, je crois pas. Ah, j'ai un doute. Allez, bûche! Alors déjà, il faut pas oublier. On avait dit qu'on allait en vaincre quelques-uns. Est-ce qu'on se dégage du terrain? On va s'en dégager un petit peu. C'est bon, je suis là. Il faut que j'en batte 5. Hein. Ah, les arapins, arépins, pas lapins. Ah, bay, arépins. Oui. Ah, bah ils sont partis pour tuer tout le monde. Merci. On l'a vu ce coffre-là? Oh, on est riche. Alors, nouvelle recette. Ah, si on peut le faire ici. La fondeuse, hop. La scierie. Elle est gênée par ça. Ok, donc c'est intéressant. Les petits buissons, ils gênent. On va nettoyer un peu le terrain. Voilà. Puis du coup, on va construire. Merci à vous. Et on en a des dispo. On va fabriquer, oui, des bûches. Hein. On a que ça, de toute façon. Voilà, on va en mettre 4, 5. Allez, on est parti pour faire des bûches. Et ici, la recette.
Ingrédients, poutre. Je veux faire des panneaux en bois. J'ai loupé quelque chose? Donc les sparks sur les chemins et dans les constructions, ça on a vu. Ça on sait faire. Objet. Quand les sparks qui circulent sur un chemin ont les mains vides, ils essaient de ramasser ce qu'ils trouvent sur les trajectoires. Ok. Je croyais qu'on avait débloqué. Alors attends, on va venir sur les quêtes. Ok. L'intendante, faudra amener des panneaux de bois. On ne sait pas encore les faire. Ah voilà, il va falloir livrer 80 poutres du coup au forestier. Et là, on pourra avoir la recette. Eh ben, écoute, ça me va. Allez, on les laisse bosser. Le truc, c'est... Est-ce qu'on peut relier un tonneau, il n'a qu'un seul chemin, un seul accès. Ouais, il n'a qu'un seul accès. C'est sadique, hein, mais bon... Ah non, j'ai pas besoin là. Alors attends, on va supprimer. Pourquoi il peut pas? Parce qu'il faut une pente douce. Il y a une pente qui est là. Il y a une pente ici. Voilà. Comme ça, il dépose. Bon, là, on a déjà 10 poutres. Ils n'ont rien pris. On va les laisser comme ça, gentiment amener. Je pense que c'est bon. Le temps que les autres aillent là-bas, est-ce qu'il y aura les 5 poutres? Voilà. Bon, comme ça on va les laisser faire tranquillement et on a déjà un grand chemin d'automatisation. Alors eux ils arrivent, est-ce qu'ils vont tous les prendre? Ou est-ce que j'en ai trop mis? Ça marche, ça marche, ça marche. Oh, le bol, pile poil. Regarde ça, regarde ça. Ah, ils sont beaux. C'est cool. Bon. C'est déjà pas mal. On en veut 80. 40, 60, 80. Bon, voilà. Et puis là, on a deux. Paf. On va les laisser. Les 100 bûches, est-ce qu'on les a? 20, 40, 60, 80, presque. Attends, on va piquer des bûches ici. Voilà. Ouah, c'est de mieux en mieux. Ah, est-ce que c'est un jeu pour la jeunesse? Je suis pas sûr que ce soit forcément évident, les trucs que j'ai bloqués pour les chemins. Je me pose la question. Le forestier. Il faut qu'on dépose des 100 bûches dans le coffre. Ah, attends. 20, 40, 60, 80, 100. Ah, il en fallait que 80. Non, c'est des poutres. Je confonds avec Tortue Géniale. Voilà. Et là, on débloque le fameux panneau de bois. Merci. Nouvelle recette. Merci à toi.
là on est bon. Ok, pas de nouvelle quête. Oui, on va aller voir Tortue. Génial. J'aime bien l'appeler comme ça. Hein, papy ? Ici, te manque 100 bûches. 40, 60, 80, 100. Le divinologue. Je sais que ça fait beaucoup, mais je suis sûr que tu reviendras à bout très vite. J'ai tout trouvé. On va se donner. On débloque, du coup, dans le Spark de bois, le générateur de Spark souche. C'est quoi, ça ? Alors, il est impossible de construire ceci dans de petites fondations. La tuyauterie est essentielle et je ne suis pas capable de la reproduire. Mais j'ai réussi à universaliser le procédé. Ça veut dire que tu peux t'en servir pour créer d'autres types de Spark. Je sais qu'il y a d'autres hôtels dans les parages. Je te parie un dîner chaud qui a aussi d'autres Sparks. Oh, j'ai toujours cru que ces statues représentaient des divinités mineures. Et dire qu'il s'agit en fait de ces créatures. Création des Sparks de bois. Ok. Et on a une nouvelle quête. On pourra parler au divinologue des nouveaux hôtels qu'on aura débloqués. Et il nous parle de l'hôtel de Spark Colère quand on l'interrompt. D'autres Sparks. Alors, quand on lui a parlé de l'hôtel à Spark Bricoleur mentionné par la machine de rang 1, il s'est enthousiasmé. Il veut maintenant étudier ça. On a déjà une première recette avec le générateur de Spark de bois qu'on va aller chercher tout à l'heure qui fait des souches. Et on pourra faire des Spark Bricoleur, d'accord. Il voudrait un spécimen de spéciaux et 40 Spark souches et 40 panneaux de bois. Punaise. C'est pire que Satisfactory. Toutes les quêtes sont prises. Bon. Écoute, je crois à YouTube, on va stopper là. On verra tout ça au prochain épisode. Twitch, on a le temps de sauvegarder, de faire la pause vignette. Et puis nous, on est bien, quoi. On revient sur le menu principal. À tout de suite.